Salut, salutations! Et bienvenue pour une nouvelle partie sur Rock Galaxy! Ou bien, écoutez, la prison? Non, pas la prison. C'est la prison parce que je viens de poster la vidéo sur la prison, justement. Mais du coup, non, pas la prison, la mine! Une mine! À la recherche toujours de cette tablette, on va pouvoir fouiller. Type intéressant, moi ça m'intéresse de fouiller. Vous me connaissez maintenant sur ce jeu de moi. Ça va, si vous avez suivi tous les épisodes jusque là, vous me connaissez sur le jeu, c'est obligé. Donc, eh bien, c'est simple. Non, on va fouiller. Alors, eux ils sont chiants, c'est ça, c'est tout. Alors, peut-être que quand vous avez fait plus tôt, mais. Après ils sont chiants. Ah oui, ils sont chiants. Les matraques ont des boucliers notamment. Ils sont peut-être en ok. Alors, les gars sont pas où, j'ai plus de barres. Voilà, c'est bon. Il est mort. On a eu le caniche. Don't fall behind, ok? Et un coffre. Je dois prendre l'ascenseur du fond pour descendre niveau enfer. Je le sais. Allez, en 25 secondes seulement avec du boulot. Non. Ça ne sera pas le cas. Oui. Ah oh, Digo. Digo, non, ça passe. Digo, comment t'as fait pour crever aussi vite? Enfin, t'as plus beaucoup de potions de résurrection. Ça peut être un souci. On n'est pas arraché. On va refaire avec pour le bonbon, mais il va falloir faire très attention aux barres de vie de nos compagnons. Voilà, c'est ça qui est difficile. Est-ce que des prochaines raisons, on va en avoir besoin pour les boss. Ah bah, défi perdu. Écoutez. Dans le coffre, c'est déjà ça. La piste lazuli. We have the willpower. We can get through this. You think I'm gonna go easy? Qui commence trop tard avec Darko? C'est comme le mieux. Voilà, non, je vais dire ça. C'est gagné. Ah, une potion de rêve, merci. Alors ça c'est cool. Il disait justement qu'on avait plus beaucoup. Et qu'est-ce qu'il nous file? Une potion de rêve. J'ignore ce qui se passe, mais les gens de chez Daytron nous ordonnent de poser. Ça ne nous plaît pas d'être commandé par ces petits crétins. Attention, tu risques d'être licencié à parler aussi ouvertement. Attention mon gars. Attention au licenciement. Certains. Ça. D'accord, donc on pourrait potentiellement partir par là. Alors, on va les niquer avec un vent du désert de niveau 2. On ne donne pas tout ça. C'était trop dangereux. On a obtenu une belle lampe. C'est bien ça. Bon, on a déjà visité par là. D'accord, okay. Par contre, par en bas, on n'a pas visité du coup. Par là. Je pense à un cul-de-sac aussi. Peut-être qu'on ira bien par en bas. Ou si c'est le troisième top qui sort, on te donne une défi. Comment prendre des objets déjà? Ah, rond, c'est pour faire. Esquive arrière comme petit. Bon, c'est pas grave. Hey, je. Il vaut mieux connaître quand même toutes les touches. Ça pourrait être utile. C'est bien,
Regarde. Je squatte pas tous les PNJ parce que j'ai beaucoup de merde. Mais je regarde surtout je suis pas les fournir à la donc comme on le voit ça va être un peu orange à côté de eux. Et non mais Digo, non, je te reste pas Digo. Désolé mon pote, mais on va falloir faire ça. Ah le dernier. Je vais l'avoir au flingue. Voilà. Je vais le mettre sur niveau de rendroit. C'est bien ça. Du coup, on a tout visité. Non, il y a un endroit qu'on n'a pas visité. On va visiter cet endroit. On va par contre utiliser de nombreuses potions de soins. Voilà. Ouais, on va utiliser une capacité là. On va vendre des airs au niveau 2. Être sûr. Voilà. Ça c'est gagné. Ça c'est gagné. Kaylan. Shot. Shot. Here they come. Ah, il y a trop d'hommes top là. Mon univers. Bim 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 bim. Par contre c'est bien, il y a des belles lampes. Elle dit ça mais je sais pas à quoi ça sert, mais c'est certainement utile. Alors, on n'a pas été voir par là. On a ça aussi. Il y a rien. Il y a un peu mais on veut pas nous dire. Mais enfin, c'est bon de faire une attaque chargée, mais... Là, vent du désert. Ah. Ah, le chien a pris un level. On a eu niveau 27, mais il est quasiment. On va essayer de chercher la sauvegarde avant de tous y passer. Si un combat, on va le faire. Mais on a visité entièrement cette espèce de niveau. Il est mort. À tuer. Je vais repousser avec le flingue. Voilà. That's how you get it done. Click. Popping up like crazy. Regarde, bon, dans tous les cas, on peut toujours se téléporter. Effectivement, si on a besoin d'aller acheter des. C'est vrai. J'ai oublié ça. Alors, on vient ici, on vient là-bas. On peut pas. Ah, on peut pas sortir. Les ascenseurs. Seconde strat. Alors, qu'est-ce que vous dites, les gars? Mais les robots doivent se reposer parfois, sinon ils tombent en morceaux, ouais. Même Gale n'est qu'un pion de Zax, si seulement il savait. J'en sais plus à ce sujet. À ce niveau, la qualité de l'air est bien pire qu'au-dessus. C'est un peu un défi de travailler ici.
Oh là là, ça va être encore plus horrible que les vacances, ça va être une telle piège. Voilà. On a connu hier déjà. Le niveau qui vient de sortir. Une potion de guérison, ils ont pris des levels, c'est très bien tout ça. Et hop là! Et bon. C'est un cul-de-sac par là. Ouais. Un cul-de-sac par là aussi, je suppose. Ouais, c'est certain. Donc je ne sais pas où est la... la sauvegarde. En arrière, vous allez me dire, mais je parle de devant, bien évidemment. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Aïe 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 aïe. Par où allons-nous? Par là. Par où allons-nous? Par là. Tu vas par où? Par là. Attention, les gars. On va utiliser des objets parce que sinon on aurait la meilleure de nous. Une guérison. Et voilà, c'est gagné, je prends pas mal de level très vite. Ah, il y a un magasin, ça c'est bien ça. Très bien ça. Viens par là, monsieur le magasin. Les bandits mordus, ils sont extrêmement nombreux. Bandits, merde. Alors peut-être qu'il n'y a pas de dégâts et les mecs sont déjà à terre. Conflit. Bien. Lisez donc. Ça marche. Après tu gagnes l'argent mais pas éliminer le mosquito. Ouais, vas-y. Tu vends des potions de raisin? Oui, vends des potions de raisin. Je t'aime. Par conséquent, je t'aime. Vas-y, vends-moi tes 10 triguerisons. Ça se pète pas mal. C'est bien ça. Vraiment bien ça. Pour les révélations et tout. Ça peut être sympa. Ça fait rien dans la révélation. Je comprends l'idée de faire monter mes stats, mais pas ce prix là. Vas-y. Potion de raise, elle coûte que dalle. Peut-être que je peux en prendre qu'une de plus et c'est tout. Ok, bah je te remercie, mon gars. D'ailleurs, en parlant des révélations, voyons voir. A-t-on de nouvelles révélations? Et oui. Oh, le bonus attaque. Oh oui. Oh oui, je veux le bonus attaque. Certes. Oh oui, oui. Ça, c'était bien. Voilà une bonne idée. Bonus attaque. Heureusement, elle, non. Digo. Ah, Digo peut apprendre le bouclier de os. Vas-y, ne t'en prie pas, mon cher Digo. Ok. Ah, la belle lampe, mine de rien, ça débloque pas mal de trucs. Lui, il peut prendre rupture mortelle, donc vas-y. Fais péter rupture mortelle.
Ok. Parfait. Alors là, il y a un cul-de-sac, mais il n'y a pas de coffre. Là, ça continue. Là, je ne sais pas. Au niveau de la carte. Au niveau de la carte, je me dis qu'il faut que je continue par là. Donc, j'ai bien envie d'explorer par là. You mean it keeps going? Ah non, ah oui, j'ai oublié de les soigner, mec. Alors attends, on fait ce combat parce qu'il faut les soigner. C'est un cul-de-sac apparemment ici. On va les soigner. On rachètera notre ami le marchand les potions de toute manière de soins, vu que ça coûtait que dalle. Hein. Pas de soucis. Une boîte à jouer. Can't guarantee the two of you will come back alive. You'd best be prepared. Alors, là, ça rejoint le cul-de-sac pour le moment. La formule chimique, je sais pas. We'll just have to pretend like we belong here. Ouais, je suis en train de me dire que le chemin de tout à l'heure était dans le cul-de-sac. Alors que là, pas du tout. C'est un cul-de-sac, c'est joli. Why are there so many beasts here? Ah, il y a une sauvegarde. Ah oui, il faut que j'ai cette sauvegarde. Je crois que le monde des derniers. Here they come! Renforce-nous avec ton bouclier d'os. Je pense que c'est un truc de protection. Regardez. On perd le fil. Bon, on a perdu le défi, mais on a quand même gagné le combat. Très content. Oui, alors j'ai une potion en trop. Elle sert pas pour les révélations actuelles. Bon, on va l'acheter. Hein. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc ici, tu me dis quoi, toi? J'ai pas le droit d'y aller. De toute manière, c'est pas là où il y a mon objectif. Ah si, non mais oui, mon objectif principal, il me dit... ouais, je suis bête. Quand il y a une étoile bleue, c'est pas ici, faut descendre encore plus bas. Donc ouais, il va falloir prendre l'ascenseur quoi qu'il arrive. Mais on n'a pas fouillé tout. Et vous me connaissez, ça va pas se passer comme ça. Il n'y a pas de coffre ici. Attention. Ah oui, ils font chier là. Alors ça peut tuer. Après, je me prive d'un joli taux d'XP, hein, ça sert. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être que j'arrête de faire ça. We have the willpower. We can get through this. We're gonna have trouble getting through here. Nothing but tough guys, huh? On va rejoindre notre patron marchand. Pas vraiment. Let's get this over with fast. On va faire ce combat là. Et c'est chiant parce que vendre une heure ça passe pas. Quand ils sont à cœur. On va mourir. On va le faire très vite, on va y passer. Ouais. Un bouclier de côté. Ça là. Bonne joie. Bonne joie. Pas la première partie.
Pas un combat du tout, possible. On a eu dans le dos, au moins. Quoi ? C'est de la merde. On va mourir. Voilà. On a récupéré une potion de guérison ainsi qu'une boisson régénérante. C'est pas si mal que ça. On va pas aller voir le marchand, pas besoin. Pas en plus de trois étoiles. Oh, j'en ai marre, on a fait une petite partie. C'est hyper relou, j'espère que la mine 3ème strat ça va vite s'arrêter parce que c'est chiant. Vraiment. Après, peut-être qu'il faut utiliser le. Comment on appelle ça? Le jeu graphique. Même pas. On va utiliser le flingue de calisté. On va claquer en vent du désert, parce que le petit même l'arme, ça ne touche pas trop. Le petit même l'arme, ça ne touche pas trop. Au moins chiant sur l'autre. J'en ai marre de ces unités qui partent en circuit. Ils sont moins chiants que les volcans. Allez, finissez-le, bon sang. Vous êtes fatigué quand même. Allez, ouais, magnifique. Splendide. Popping up like crazy. Oh. Here they come. Vendu les airs niveau 2, de manière à la fin de la vie très près. Ah, je suis presque 34 avec Jester. Hein. Jester qui restera notre gars le plus élevé. C'est certain. Bon. J'espère qu'on pourra atteindre la prochaine sauvegarde avant d'arrêter. Alors c'est la fin du machin, on va voir, hein. Peut-être qu'on est au bon étage et que ça va être la fin du machin. Du rougeon, c'est bien possible. On va voir ça. Ah ouais, ça arrive à être la fin du donjon. Site d'excavation. Bon bah un boss. Hein. J'espère que vous êtes prêts. Moi pas du tout. Une anguille électrique. Hein. I never thought I'd be ending it like this with you. Ah et là ça pue le boss. Ça pue plus que le boss. Bon. Bataille au boss. Gale! Oh ce cri. Gale! Viens là, Philippe! Viens là, espèce d'enfoiré! Philippe! Kill. Philippe, je sais où tu te caches. Ok, un robot tueur. C'est ça qui me fait peur. On a déjà affronté des robots. Ancienne plateforme. So it's you, Digo. Open your eyes, Gale. Don't do anything stupid. Like rejoining the military. I'm not about to live my life a loser like you. Hey, babe. Now, I'm gonna reclaim everything I've lost. Don't you get it, Gale? This will never bring back what we've lost. Come on! Gale!
mais il va se battre, hein. C'est logique. C'est qu'après un dur combat qu'il va peut-être enfin revenir. Faut sauter, faut se taper. Moi je dis que le machin derrière son dos, c'est ça va lui faire plus de dégâts. Attends. Bouclier. Ça c'est bien. Fille bouclier. Ensuite, toi, soigne un peu tout le monde parce que là, on est dans la lèche. Voilà. Toi, change de flingue. Et utilise le gun monographique. Alors ici on ne fait pas de dégâts. Ah d'accord, donc c'est un boss lui qui n'a pas vu sa tête. J'ai utilisé une potion. Alors utilisé une potion de raise. Le Ligo. Il ne fait pas l'affaire, vas-y utilise lueur stellaire. Et ça peut, voilà. Alors change d'arme déjà, c'est insupportable. Reprends le flingue de Callisto. Utilise son bouclier d'os, ça va être temps. Soin, un truc anti-paralysie, si vous voulez avoir ça quand même. Électrocuté, ouais, non, t'es pas. Aïe aïe aïe. J'en ai un peu marre, j'arrive pas à. Non, c'est bien. Le coup de dingue. C'est son bouclier d'os pour plus de protection. Désolé, on attaque comme devant toi. On y raise. Alors attends, peut-être c'est mieux au flingue, hein. On va peut-être tirer au flingue et guérir mon maître. Peut-être ça, parce que ça peut se faire mieux. C'est refrain peut-être mieux. Au moins on fait des dégâts. Tu guéris. Je peux te faire manuellement aussi. Tri guérison. Je suis guérison. Bien, on a détruit une pièce. Détruisons l'autre. Voilà. On a de pure fait niveau de l'aise, je pense que l'épée de foudre pourrait être utile aussi. Je ne l'utilise pas jusque là. Oh là, on a du beau qui s'appuie un peu du coup pour lui. Mais vraiment, l'élément faible, sinon il a du beau. Le mur stellaire, c'est pas mal aussi. On va quand même utiliser une petite capacité avec Jaster, hein. Une épée de foudre de niveau 2. Donc vraiment. Oh, ça peut être vachement utile. Bravo. Le vif. Bien, on a détruit ces deux parties. Comment on fait pour lui faire du dégât maintenant? Comme ceci. Il va plus pouvoir faire grand chose maintenant qu'on a détruit son armement. Soigne-toi. Vite. Il est bouclé là. C'est comme les volcans. J'ai dit que ça fait un peu comme les volcans. Mais... utiliser
une épée type de niveau 2. Vas-y, une épée type de niveau 2 toi aussi. Ensuite, on n'a pas une autre capacité bien ça. Projection. Ouais, non, ce sera mieux. Vas-y, vas-y, j'ai une potion guerrière. Allez, je vais faire ça. Triggerise, ok. Poisson régénérant si tu veux. Oui, tu le fais depuis le début sur tout ça là, mais tu n'as pas voulu le faire avant. Réutilisons une épée de foudre de niveau 2. Utiliser un truc de soin, bim, comme ça du coup tu arrives. Ah, il a pas pris de level du coup, ah, fait chier. Parce qu'il est mort juste à la fin, il a pas pris de level. Shot. On a dû le soigner. Là, il aurait pu passer aisément au niveau 30. Jaster, Kisala, I'll handle this. Alors c'est le moment où je vous disais que il y avait un boss solo. Please. Ben Digo. Voilà. End of the line, Gale. There's still time. Bring back the old Gale. Who are you to talk? You've given up on life. You actually think your past crimes are forgiven just because you let your life go to hell? I'm not like you, you know. No. I'm gonna reclaim everything I've lost. So, that's your decision? All right, Digo. Let's finish this. Et voilà, Gale. Et du coup, là, vite on soigne parce qu'avec un point de vie, c'est la dèche. Vite on utilise la capacité bouclier. Ah, je vais y arriver. Bouclier de l'os. Et vite on utilise. Voilà. Et là, mon cher ami. Il faut pas Ça tire comme ça, il faut parer, y'a pas de problème. Ah! Ha ha ha! Digo s'est fait battre. Et du coup, il y a un game over, et voilà pourquoi je vous disais que ce boss était très rageant, parce que non seulement il va falloir recommencer, mais surtout il va falloir retuer le boss machine d'avant, pour vaincre eh bien ce boss là, qui est extrêmement pénible, et je sais que vraiment j'ai eu des gros soucis pour l'avoir. C'est très très pénible. En tout cas, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode parce qu'on va s'arrêter là. On a fait nos 45 minutes. Hein. Sur un fail, mais tant pis. Et l'épisode d'après, eh bien, ça risque d'être du trial sur ce boss là parce que il est extrêmement, extrêmement pénible et relou. Je vais essayer peut-être de trouver un guide pour le vaincre facilement, mais en tout cas, voilà, mes souvenirs étaient les bons. Quand il fait son enchaînement de tiers, il faut être en parade. Il n'y a pas le choix.
n'y a pas le choix, et je crois même qu'il faut peut-être réussir à lui claquer une attaque brûlante ou des choses comme ça, mais on n'a pas débloqué avec Digo tout ça. Donc c'est très pénible. Voilà, voilà. Enfin bon, ça fait partie des boss à condition et qui ne sont pas classiques, quoi. Mais bon, j'aurais préféré largement le battre avec Jaster qu'avec Digo, quoi. Beaucoup plus puissant, Jaster. Enfin. Je vous laisse donc sur ce, et je vous dis à bientôt dans une prochaine partie. Ciao, ciao tout le monde.